Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à vous qui êtes ici à Lille. Bonjour aussi à vous qui nous suivez sur Dailymotion, parce que nous sommes en direct sur la plateforme TV Internet. Bienvenue donc à Lille. Merci à l'hôtel de la région du Nord-Pas-de-Calais qui nous accueille aujourd'hui pour cette première édition des French Cluster Day Top Générique. Merci à tous d'être là pour cette donc première édition des French Cluster Day, pour cette journée entièrement dédiée aux groupements d'entreprises, aux pôles de compétitivité, aux grappes d'entreprises, aux clusters régionaux et aux pôles d'excellence. Alors nous allons passer plusieurs heures ensemble, 8 heures si tout va bien, et de toute façon tout va bien se passer. Alors de quoi allons-nous parler ? Nous allons avoir une série de tables rondes pendant que toutes les personnes qui participent à ces French Cluster Day sont réunies soit en assemblée plénière, soit en réunion, soit en réunion bilatérale, comme on dit dans le langage diplomatique. Alors nous allons débattre ici sur ce plateau d'une question très précise. Les clusters sont-ils une arme anti-crise ? Est-ce que les clusters sont une solution pour soutenir l'emploi, la croissance, l'innovation, la recherche et le développement ? Bref, les clusters sont-ils un levier pour lutter efficacement contre la crise ? Voilà donc pour le programme. Je vous propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet avec notre premier grand témoin, le vice-président de la région Nord-Pas-de-Calais, Monsieur Pierre de Saint-Ignon, et nous lui poserons cette fameuse question un petit peu provoque, il faut le dire. Les clusters, une arme anti-crise ? Point d'interrogation, à tout de suite. Monsieur Pierre de Saint-Ignon, d'abord merci de nous accueillir ici dans la région Nord-Pas-de-Calais pour cette première édition des French Cluster Day. Vous êtes notre premier grand témoin. Il faut savoir que vous êtes à l'origine de pôle de compétitivité. Vous êtes en charge de l'économie, des nouvelles technologies et de la formation permanente au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Cette journée, ce n'est pas un hasard si elle se déroule à Lille parce qu'elle rentre dans le cadre de la semaine internationale ici à Lille. Oui, c'est la semaine internationale. Très heureux d'accueillir cette première session des clusters français au cœur de notre région. Pas hasard parce que nous sommes au cœur de la culture du Nord-Pas-de-Calais. Il y a longtemps que nous travaillons sur les filières. Il n'y a jamais de hasard dans la vie, monsieur Saint-Ignon. Non, il n'y a jamais de hasard, mais il y a longtemps que nous travaillons sur les filières. Il y a longtemps que nous avons institué des pôles d'excellence, puis des pôles de compétitivité dans notre région. Il y en a 21 et il y a des parcs d'affaires qui sont des parcs très, très groupés, qui font agir les entreprises ensemble et qui exposent notre région à l'international. Et donc que les clusters se réunissent aujourd'hui pour porter à l'international les entreprises qui est une des clés de lutte contre la crise. Oui, je pense que c'était bien de choisir le Nord. Pour être très honnête, ça aurait pu être d'autres régions. Il y en a qui sont emblématiques sur ces sujets. Mais le Nord, il était bien placé. Alors, 7 pôles de compétitivité, 14 pôles d'excellence. Comment expliquer un tel foisonnement ? Vous dites que ça fait longtemps, c'est juste une question d'histoire ? C'est la volonté d'une région à la fois de gérer son passé et son futur. Nous avons été la grande région industrielle de la France. Nous avons souffert de la crise. Nous sommes dans notre renaissance. C'est vrai que nous subissons la crise tous les jours. Bien sûr, nous la contrôlons le mieux possible. D'ailleurs, souvent en silence, plus de 34 000 emplois ont été sauvés dans les 15 derniers mois simplement parce que les gens se parlent dans la région et que devant les banques, il faut être assez actif parce que les marchés se tendent et qu'à force de tirer sur les fonds propres, de compresser les marges, on finit par rentrer dans une zone dangereuse. On se met au-dessus. Mais nous avons une habitude de dialogue dans notre région. Et les acteurs économiques, les acteurs politiques, les acteurs syndicaux, les acteurs consulaires travaillent ensemble et construisent ensemble. Et donc, d'une certaine manière, les pôles d'excellence, c'était naturel
que de mettre ensemble les acteurs économiques, la recherche, la formation, pour promouvoir une filière, l'organiser, pour créer ce que j'ai souvent appelé dans ma vie, y compris d'entrepreneur, l'économie de la machine à café, c'est-à-dire le lieu où on se parle, le lieu où on échange, donc le lieu où on va pouvoir faire du business ensemble. Eh bien, comme pour beaucoup d'autres choses, on est plus fort ensemble. Et donc les clusters, lorsqu'ils ouvrent la problématique du monde et qu'ils le font avec toutes les entreprises qui sont autour de ce cluster, avec méthode, avec une organisation, avec des savoir-faire, eh bien ça rend tout le monde plus fort et plus performant. Alors on l'a compris, pour vous les clusters sont la meilleure arme anti-crise. En quoi est-ce qu'ils favorisent la recherche, le développement d'un territoire, mais aussi tout simplement la croissance d'un territoire? Quand on regarde les parcs, aussi bien à Valenciennes sur la mobilité intelligente que à Tourcoing sur l'image et le centre du textile technique et innovant qui est le premier centre de recherche au monde sur ces techniques-là, ou qu'on regarde plus récemment Euratechnologie à Lille sur le e-business, finalement, lorsqu'IBM signe à Lille son plus gros cluster mondial face à plein de pays dans le monde, 2 ans de compétition et 8 villes françaises, c'est parce qu'il y a là tous les ingrédients de la recherche, de l'innovation et de l'exposition internationale. C'est ça le choix que fait ce leader américain. Mais en même temps, c'est cette volonté de rassembler tout le monde. Ici, à Lille, pour tous ceux qui entreprennent, ils ont des plateformes disponibles à Shanghai, à Pékin, à Buenos Aires, à Belo Horizonte, à Dubaï, en Silicon Valley, à Saint-José, à Paris, à Londres, à Barcelone. Sur tous ces lieux, il y a des plateformes avec des collaborateurs où les entreprises peuvent se poser. On va pouvoir préparer leur venue et les aider dans leur business. Et donc, cette force collective qui est née d'une volonté politique, bien sûr, d'entraîner le monde économique dans cette aventure, créer des moyens qui sont incontestablement d'abord des moyens qui sortent de la solitude. C'est plus facile d'agir quand on n'est pas seul, mais en même temps des moyens techniques qui poussent en avant. La volonté politique, c'est quelque chose d'important parce que souvent dans le monde de l'entreprise, l'intervention de l'État n'est pas toujours très bien vécue. Ici, nous aimons l'économie. Ici, nous aimons les entreprises. Et ici, l'économie, elle se fait avec les entrepreneurs et elle se fait avec les partenaires sociaux. Et là, nous avons l'habitude dans cette région de dire que si nous ne sommes pas d'accord sur tout, nous sommes d'accord sur une chose, c'est de tracer le chemin du possible. Et sur ce chemin-là, nous sommes tous ensemble. Et dans le respect de la pensée de chacun, avec les limites des uns et des autres. Et donc, cette volonté politique-là, elle est partagée par tout le monde. Elle n'est pas guidée par une région qui serait programmatique. Non, c'est la pensée des principaux acteurs économiques de cette région. C'est la pensée des principaux syndicats de cette région. C'est la pensée des principaux consulaires de cette région. Nous sommes d'accord sur cette vision-là de l'économie. Et là, moi, je ne fais pas partie de ceux qui passent leur temps à cogner les entreprises. Non, dans notre région, les entrepreneurs sont tels que si le monde avait eu nos entrepreneurs, je ne pense pas que nous aurions eu la crise financière que nous avons connue. Non, ici, dans notre région, l'économie est devant la finance. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas d'un certain nombre de questions, mais nous sommes terriblement attentifs à cette question, et je peux le dire avec fierté, nous travaillons main dans la main avec l'ensemble des acteurs économiques, parce que nous travaillons main dans la main avec des acteurs qui placent l'économie devant tout. Dernière question. Vous allez me répondre par oui ou par non, ou peut-être un peu plus. Les clusters, c'est la meilleure arme anti-crise selon vous ? En tous les cas, c'est une arme importante parce qu'on est ensemble, parce qu'on apprend aux entreprises à être ensemble. Et puis, lorsqu'on fait bien un cluster, c'est-à-dire lorsqu'on ne fait pas de concession à la qualité, alors on a une stratégie simple. Il faut ajouter les valeurs ajoutées, donc bien choisir les entreprises avec leurs propres valeurs ajoutées. Et le cluster ne sera un grand cluster exposé à l'international que si la somme des valeurs ajoutées en fait un lieu incontournable. Et nous, nous voulons convaincre le monde, parce que nous sommes médiatisés, grâce à vous d'ailleurs, nous voulons convaincre le monde que la meilleure terre pour entreprendre, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Savez-vous? Mais bien sûr, on le sait tous, la meilleure terre, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Je vais vous faire une révélation. Ici, autour de nous, 300 km, autour de nous, 1h40 de transport, autour de nous, 80 millions de consommateurs. Si nous faisons les bons choix des années qui viennent, nous sommes la première puissance de consommation de France, d'Europe et la troisième derrière Tokyo et New York. Voilà. Alors, les entrepreneurs, on a besoin d'eux pour aller à cet objectif.
Mais de là à ici, c'est un chemin de croissance. Et c'est cela que comprennent les entrepreneurs. Alors, vive la région Nord-Pas-de-Calais, voilà. Longue vie au cluster. Merci Pierre de Saint-Aignan d'avoir été avec nous. Et nous allons tout de suite passer à la première grande thématique de la journée, avant une petite page de réclame. Eric, tu m'entends ?